Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Infamous. Donc c'est parti pour remettre le courant dans une partie de la ville et par la même occasion gagner un nouveau pouvoir. Et je me fais encore attaquer par des connards et ça commence à me gonfler. Putain, ils sont nombreux. Bon, bah si vous me faites chier comme ça, moi je vais vous faire disparaître d'ici. Hop. Des foules entières sont rassemblées, faites quelque chose. Ouais, j'arrive, je vais tous les dégommer. Boum. J'en ai rien à cirer des otages. Voilà. Je les dégomme tous. Vous devez être content pourtant. Vous êtes pas tous morts, vous devez être content. J'en ai laissé en vie. Un petit peu. C'est mieux que rien. Voilà, 35%. Alors je regardais ces posters de toi que les gens collent partout. Et oui. Je me suis dit qu'on devrait lancer notre propre collection. Tu vois, histoire de se faire un peu de thune. Attendez quoi? Ben j'en dis que c'est complètement con, mais bon. Surtout qu'ici, je suis pas sûr que l'argent serve à quelque chose. Ah, génial! Démarrer la mission. Voilà, donc à partir de cette photo... Voilà. À partir de cette photo, je dois retrouver le paquet. Et ce paquet, ce sont justement des fragments. Donc ces fragments ne comptent pas dans le nombre de fragments total pour le trophée par exemple. Mais ça reste un truc, ça reste des fragments qui permettront d'être utiles pour, j'allais dire les missions quoi. Bah pour ma réserve d'électricité. Donc pour les missions. Ça me gonflait, c'est couillon, arrêtez de me tirer dessus et crever. Mais ils sont beaucoup plus résistants bien sûr que dans le mode normal, hein. ça s'il n'y a aucun doute. Oui, trouver le colis, je sais très bien. Allez, saute. Ah, tu peux pas monter par là? Ah non, c'est resté par là. Ça m'étonne que j'ai zappé cela. Ah oui, ça en fait ce sont des endroits que vous reconnaissez au début du jeu, la scène avec justement il faut aller prendre la bouffe, c'était à cet endroit là mais contrairement vu qu'on n'avait pas encore débloqué la mission où on trouve les premiers fragments, voilà, bah je ne pouvais pas les trouver tout de suite. Salut. J'ai botté le cul. Et si, viens, tu ressens moi. Allez. Là. Tiens. Donc le colis. Il faut que je trouve en fonction de... Alors il faut que je regarde l'image. Voilà. Donc c'est... Ça a l'air d'être ce truc ici, donc il doit être dans le coin. Alors est-ce qu'il est là? Donc le colis doit être quelque part par là. Le truc est là. Non, c'est pas celui-là. Parce qu'on n'a pas les mêmes... Si, l'arbre est là. S'il doit être ici. Je l'aurais dit ici. Bah alors. Ah là. C'était l'autre côté en fait. Je me suis gouré. Je pensais que c'était une autre image qui allait s'afficher que sur la photo. Voilà. Et 5 de plus. Et un territoire de plus de contrôler. Et ça, c'est génial. Plus il y aura de territoire contrôlé, moins j'aurai d'ennemis qui me fera chier. Mais le problème aussi, c'est si les ennemis ne me font plus chier, je ne pourrai plus accomplir les cascades. Parce que justement, il faut des ennemis pour pouvoir les accomplir. Donc c'est à double tranchant, mais bon. Vu que je ne compte pas tous les faire, les cascades, vu que j'arrive pas à les faire. Là, vous voyez que vraiment, là, il commence à changer. On le voit vraiment très pâle. Et les veines apparaissent sur sa tête. Parce que normalement, d'après ce que j'ai entendu, parce que dans le 2, on le voit mieux, et c'est ses veines qui sont comme ça. Après, comme je l'ai dit, je ne le sais pas encore. Je ne l'ai pas
suffisamment fait le jeu pour ça. Je n'ai pas fait le second jeu en étant méchant. Je l'ai fait en étant gentil, donc je connais la bonne fin, mais je connais pas la mauvaise fin. Hop là. Et ça, c'est vraiment pas mal de pouvoir faire le choix en étant méchant ou gentil. Ça donne deux jeux différents. Des autres de la liberté aux joueurs supplémentaires. Ah putain, t'étais là, je te cherchais partout. Tiens, allez, prenez ma grenade dans la gueule. Boum! Crevez. Voilà, alors c'est pas tout ça, mais moi je dois désactiver des dispositifs à la con. Pour pouvoir, justement, ben, il faut désactiver un dispositif pour que les mecs, se barrent. Quoi. C'est complètement con. Arrêtez! C'est chiant, tous les ennemis. On n'a pas encore le truc pour pouvoir grimper plus vite. Je sais pas si c'est dans celui-là ou si c'est dans le prochain. Ah, il y en a là. Parce que vu que j'ai joué au 2, il y a des pouvoirs qu'on a dans le 2 mais pas dans le premier et vice versa. Et je sais plus si le pouvoir qui permet justement de grimper plus vite, c'est dans le 2 ou dans le 1. Parce qu'il y a un pouvoir qui permet de se propulser sur un poteau, si je me souviens bien. Et de grimper en haut plus rapidement. Parce que là, on est obligé de faire, allez, on grimpe comme ça, c'est un peu long. Alors, dispositif, il y en a là, un, il y en a un là. Hop, vas-y, nickel. Un de moins, au suivant, hop, top, tic tac. Tu grimpes par là, allez. Hop, un dispositif en moins. On va continuer à faire le tour. Un de moins, au suivant. Alors, il n'y en a pas là. S'il y en a un là. Hop, et j'en profite pour vous montrer ça. Je suis resté plusieurs jours à l'infirmerie. J'avais ma propre chambre, et à part une infirmière, j'ai vu personne. J'ai testé la porte 5 fois, toujours fermée. J'ai vérifié l'intraveineuse, et je me suis aperçu qu'il m'administrait une sacrée dose de dolophine. Tu parles d'un traitement de choc. C'est génial, mais je sais pas ce que c'est le dolophine. Si quelqu'un le sait, qu'il le dise en commentaire de cette vidéo. Peut-être que c'est une sorte de somnifère, mais aucune idée. Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le dire, parce que ça sera toujours quelque chose que j'apprendrai. Parce que ça, je sais pas du tout ce que c'est. D'un côté, je fais pas des études de médecine, donc je connais pas non plus tous les produits. Ah, il y en a un en bas. Elle est... Voilà. Boum. Tac, tac, tac. Vas-y, me grimpe. Où est-ce qu'il est? J'avais vu un truc qui brille. Ah, il est là. 1, 2, moins... Plus que 4. Ou encore 4, ça dépend de votre vision. C'est ça qui... Ces missions-là, elles sont pas très intéressantes. Hein, le fait de devoir casser les... Le dispositif, à mon avis, il y en a en bas que je n'ai pas dû voir. Voilà, par exemple, vous voyez comme ici. Hop, voilà, maintenant je sais que les deux autres se situent dans ce coin-là. C'est toujours ça, de prix. Hop. Lorsqu'il est là. Ah non, peut-être en bas. Où sont-ils les trois? Les trois derniers sont au même endroit. C'est étonnant ça. Ah là ouais, j'ai pas capté ce temps, j'ai pas été ici. Allez, monte. Nickel, hop, un de moins. Il est là. Non. Non. Allez, saute de là. Ah bah, il y en a un tout en bas. Yep, là. Plus que le dernier qui se trouve tout là-bas. Ça, c'est pas vraiment, là c'est vraiment pas des missions très intéressantes, hein. Ça, j'ai jamais accroché au fait de détruire devoir détruire tous les dispositifs d'un bâtiment. Chaque fois que je le faisais, j'étais plutôt ah non, encore. C'était casse-couille. Là, alors où est-ce qu'il est? Ah ben, il est tout là-haut là. Je t'ai vu. Là. Magnifique, vous avez droit en plus à un superbe ralenti. Elle là, 40%. Écoute, je sais bien que tu veux faire le ménage.
garage dans le coin. Oui. Mais si ça continue comme c'est parti, c'est clair que mon business de batterie va finir par s'effondrer. Les gens aiment pas les frimeurs, Cole. Ouais, et alors? Moi, je m'en fous de ton business. Moi, je veux qu'on arrête de me tirer dessus à tous les coins de rue. Et toi, tu fais, t'es sur mon territoire. Regarde la carte, tu n'es pas censé être ici. Donc, je t'ordonne de tomber dans le vide. Voilà. Et direction... les égouts pour refaire ce que j'avais prévu depuis le début. Putain, ils sont nombreux. Des grenades. Voilà, maintenant, il faut que je me barre d'ici. Non, vous m'aurez pas. Ah ouais, hein. Voilà. C'est toujours des points supplémentaires de l'expérience. Putain, ils sont nombreux ici. La mission est juste là. Allez, la mission. Magnifique. Woo. Let's go. Ah là, et c'est parti pour le nouveau pouvoir. Je suis dans les égouts. Le courant sera rétabli dans un instant. Ah là, et le nouveau pouvoir. Et roulement de tambour. Talentant. Let's go. Alors, quel est ce pouvoir? Oui, le pouvoir de vitesse. Ça, c'est génial. Ça fait justement partie des pouvoirs que je vous ai dit pour aller plus vite. Et en plus, si j'améliore tout ce pouvoir à fond, il y a la possibilité de gagner de l'énergie à chaque fois qu'on fait ça. Bah oui, c'est un con, je t'ai déjà dit. J'adorerais, crois-moi. Mais j'ai aucune idée d'où il peut se cacher. Il doit se tirer dans les locaux de la vieille chaîne de télé du quartier historique. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai plutôt envie de le faire, moi. Hop là, couché. Et toi, je t'ordonne de te... Voilà. Magnifique, j'adore. Merci. J'aime pas l'eau. Voilà, ça c'est bon. Hop, que tu crèves. Au suivant. Zou. Hop. You. Alors dans le 2, le moyen d'obtenir des pouvoirs est différent. Ça c'est bien aussi, ils n'ont pas repris exactement la même chose, ils ont changé. Parce que c'est bien de pouvoir aller dans les égouts. Bah, c'est bien. C'est bien de pouvoir trouver ce... gagner des pouvoirs en remettant de l'électricité sur la carte en faisant justement ça. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien pensé. Bon, de voir aller toujours dans les égouts, on a un petit peu l'impression de faire la même chose. Mais ils ont changé ça dans le 2. On a le pouvoir différemment. Alors je ne le dis pas comment, même si la plupart d'entre vous le savent très bien. Mais ça sera pour quand je le ferai. Mais ça sera pas encore pour tout de suite. Parce que une fois que j'aurai terminé ce playthrough, je mettrai en ligne le playthrough de prototype. Parce que je compte en fait inverser, faire un playthrough Infamous, ensuite prototype, après nouveau Infamous pour Infamous 2, et ensuite prototype 2. Pour dire de rendre ça un petit peu différent, de pas toujours faire la même chose. Voilà, let's go. J'adore. Let's go. Hop là, ça c'est bon. Hop, tac, 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 tac. Et me voilà. Redonne le courant dans cette magnifique ville. Fini. Et voilà le travail. Ça, c'est fait. Aussi bon. On dit merci qui? Merci Bibi. Voilà. Magnifique. Mission terminée. Cascade. Salut. Bien joué, Cole. Quand vous serez prêt, j'aurai quelques... Boum. Strike. Ok, à moi. Putain, la mission, elle se trouve juste à côté. J'ai eu de la chance.
Mais je compte pas la faire tout de suite, je compte faire ça, qui est juste à côté, parce que j'en ai marre de recevoir des coups, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Allez, salut! Des dingues sont en train de détruire ma clinique, vous pouvez les arrêter. Bien sûr que je peux arrêter. Suivez-les et récupérez mon stock. Ok, j'y vais. Salut tout le monde, couchez. Un de moins, suivant. Suivant. Le dernier il se barre là-bas. Et je reviendrai les chercher une fois que j'aurai tous dégommé. Voilà, donc. Ah Bibi. Plus que deux. Salut. À moi. Et enfin, à moi. Je profite pour récupérer de l'énergie. Voilà, et je redonne à ce couillon. Salut. Fini. Quelle était dure la mission. Et voilà, mission secondaire incomplète. Et ainsi, touloum, territoire supplémentaire. Donc vous voyez maintenant que la carte, elle s'est un petit peu agrandie, contrairement à tout à l'heure. Parce que plus on avance, plus on découvre de nouveaux lieux. Ah bah je suis content pour toi. Normalement c'est censé donner du bon karma ça, non? Est-ce que je viens de sauver des gens? Voilà, mission suivante. Sauvetage. Oui, je vois. Donc je vais tout péter. Il est possible que John soit à l'intérieur. Vous voulez que je les libère? Non. Yahoo! Comment je fais ça? Avec les mains? Vous êtes oui. Au troisième rail. Restez en contact avec la locomotive et on devrait bouger. Donc il faut être sur le train, la locomotive, et vous verrez que le train va avancer tout seul. Let's go! You! Après avoir bien sûr cassé ça! Oh là là! Zou! Zou! Allez, dégage de là! Saleté de bagnole. Tout le monde garde son calme. Je vais vous sauver la vie. Enfin, presque. Tchou-tchou! Le train s'arrête. Ouais. Let's go! Alors... Et voilà. Ce qui est tout bête, hein, c'est pas compliqué comme mission, à part quand on se fait attaquer par les faucheurs, parce que oui, on va se faire attaquer par les faucheurs au fur et à mesure. Ils vont pas laisser leur train comme ça non plus. Ouh. Des fragments. Des fragments. Et on a juste là. Fragments. J'en ai rien à foutre de vos vies. Les fragments sont plus intéressants pour moi, car ma puissance vaut mieux que toute une ville. Merci. Raté. Recommence. Magnifique. Et un fragment, hein. Alors, ensuite, il y en a un autre fragment ici. Fragment. Oui, j'ai vu le fragment là-bas, mais je ne vais pas aller le chercher, lui, par contre, il est un peu loin. Allez, tout en haut. Oh, il faut aller tout en haut. J'aime pas grimper tout en haut. Voilà, grimpe, 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 grimpe. Tu descends. Et voilà. Let's go. Et un pouvoir supplémentaire. Ben, une barre supplémentaire, c'est magnifique. Niveau de batterie. Let's go. Tchou tchou. Oh, merde. Salut, faucheur. Un de moins. Petite bombe, ça vous dit? Alors, est-ce que je dois activer maintenant le... Je dois de nouveau activer un truc en dessous du train pour pouvoir le faire avancer. Yahoo! Salut les copains! Toi tais-toi et donne-moi ta vie plutôt de me faire chier en me tirant dessus! Merci l'ami! Suivant! Là où est-ce qu'il est là? Il n'y a pas un truc à faire? Ah si, il est là. Voilà. Mais si on a tout notre temps, c'est pas chronométré. Et puis ils peuvent crever, moi j'en m'en fous complètement. Je fais juste ça pour me barrer de cette ville à la con. Hop là. Salut.
on se barre. Let's go. Bazooka! Je me souvenais de ça. Tu vas exploser toi-même. Ah là. Les bazookas, c'est chiant. Là, ils commencent déjà à avoir des armes un peu plus impressionnantes, on va dire. Qui font plus de dégâts. Salut! Salut! Viens exploser. Tchou tchou tchou! J'aime pas ces mecs avec qui font un tremblement de terre à chaque fois. Tiens! Tiens! Tout faire péter! Alors ça c'est vraiment pas mal comme jeu aussi, on se rend compte qu'on a vraiment de grands pouvoirs. On peut tout faire exploser quasiment, c'est excellent. J'ai vraiment... Ah je crois qu'il allait dire une phrase. C'est vraiment un des jeux que j'ai vraiment le plus accroché, c'est un des... Dès que j'ai fini le mode gentil, le bon karma, je l'ai fait après en mauvais karma directement. Parce que quand je commence un jeu comme ça, où on a le choix entre méchant et gentil, je commence toujours en étant gentil au début. Et après je change. Mais... Allez, soigne-toi. Ouais, oui, esquive. Pardon, mais t'avais qu'à pas être là aussi. Hein. Voilà, un, deux moins. Merci. Il n'y a plus qu'à regrimper sur ce truc à la con. Où est-ce qu'il est le moyen? Allez, vas-y. Oh, un fragment. Fragment! Je l'avais pas vu ce fragment. Fragment, 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 fragment. Ok, bon, 20, il m'en faut encore 29 pour pouvoir. Il en faut 30 pour pouvoir avoir un nouveau truc. Vous voyez que ça commence à être. Faut vraiment en avoir beaucoup, mais d'un côté, comme vous voyez, il est très facile d'en obtenir. Tous les obtenir, c'est un peu casse-couille, parce qu'une fois que quand on en a eu beaucoup, on peut pas toujours savoir où est-ce qu'il faut aller. Ça, c'est chiant aussi. Alors, on a quasiment pris beaucoup, et après, dit bon, bah alors lequel j'ai pris, lequel j'ai pas pris, c'est un peu des fois c'est difficile de s'y retrouver. Explose en paix, mais fais pas chier ton monde. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, explosé. Les monstres kamikazes, vous me foutez la paix. Voilà, ils sont tous morts. Si vous êtes morts, hein. On n'a pas envie, histoire que je lui pique sa vie. Ah bah si, toi. Ah, arrête de bugger. Ça c'est chiant, ça arrive souvent ça. Bon bah l'autre est mort, tant pis, c'est sur ta pomme. J'allais être gentil, hein. J'allais prendre le méchant, mais... Tant pis, hein. Let's go, let's go, let's go, et let's go. Allez, boum. Je suis con, je suis descendu pour actionner le truc, mais je l'ai pas actionné. Voilà. Voilà, on peut y retourner. Donc là, vous allez voir, quand les posters qui parlaient, on les a pas encore vus. Mais on va finir par les voir, et on faudra choisir entre les bons posters, où on me voit héroïquement, ou les posters méchants. Et en selon notre choix, les posters apparaîtront sur la map, un petit peu partout sur la carte. C'est parti. Allez, boum. Et on descend. Pour actionner ce truc à la con. Et en plus, je peux même pas dire de rester accroché au poteau parce que je le vois pas. Oh, il est où? Ah, il est de l'autre côté en plus, donc. Voilà. Let's go. Toi et tes trucs, tu vas me foutre la paix. Ah, raté mon coup. Pourquoi je me suis cassé? Ah, fragment. Fragment. Raté. Ouh, c'était beau ton truc. Faudrait que tu m'apprennes à faire ça. Allez, allez, allez. Crouille-toi. C'est bon. Énergie. Ah. Il me faut de l'énergie. Faut de l'énergie. Vite, 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 vite. Allez. Oh, m'en fout de la bagnole. C'était pas la bagnole que je voulais. C'est plus. Voilà, ça c'est plus intéressant. Hop, vas-y, monte. Et moi je me barre. Parce que ce con il fait chier. Let's go. You. Tchou tchou. Ah. Ah. M'a fait tomber cet enculé. Putain, mais on a. Arrête, il y en a dans tous les coins de ces connards.
Où est-ce qu'il est? Ah non, je crois que c'était celui qui me donnait les coups depuis tout à l'heure. Donc, bon, tant pis, on va remonter, parce que je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Ah, il y en a un là. Allez, crève. Ah là, je tire la bagnole pour dire de... d'être tranquille. Bon, allez, on va avancer avec le train. Parce que j'ai pas l'air de trouver... Allez. Je vais t'exploser ta gueule. Voilà. Un fragment. Bon, je vais le laisser. Ta-da-ta-ta. Nous voilà arrivés. Et une petite cinématique. La foule était surprise de voir le terroriste débouler et libérer ses êtres chers. Mais c'était pas assez pour eux. Je risque ma vie à sauver leur famille, et ils me caillassent pour me remercier. Saloperie d'ingrat. J'ai décidé d'en cramer un. Je voulais leur montrer que je ne ferai pas de cadeau. C'est une leçon qu'ils n'oublieront pas. J'ai cherché John partout, mais il n'était pas là. Mes recherches se poursuivent. Alors là, vous voyez, la cinématique est différente quand on est gentil. Quand on est gentil, ouais, c'est bien ça. Quand on est gentil, c'est autre chose. Ils sont plutôt contents de me voir. Ouais, ouais, je suis là, et alors? Non, le train, non, 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 non. Le train, il s'est barré. Bon, alors, je vais prendre ça. Hop là. Allez. Tu peux pas t'accrocher sur le poteau, là? Oh là là. Donc là je suis dans une nouvelle zone. Mais non, je suis pas fou. Je suis juste méchant. Maléfique. Alors là vous voyez, il y a des missions en bas. Donc je vais les accomplir dans un prochain épisode. Donc le prochain ça va être celui-là. Ah non, c'est une mission gentille. Donc c'est pas celui-là. Mission gentille, c'est pas ça. Là c'est mission méchante. Donc c'est celle-là que je vais faire. Et aussi là, c'est, par contre je me souviens très bien de celui-là. Ah voilà, je savais bien qu'il était quelque chose au-dessus de l'eau. Je savais plus précisément, mais je savais qu'il était au-dessus de l'eau. Quelque part ici, hop voilà. Donc la prochaine mission ça va être celui-là. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite d'Infamous en étant mauvais et aussi avec en mettant le niveau difficile. Salut tout le monde !